Bonjour à tous, c'est Electric Art. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Ark Survival Evolved et je voulais vous le montrer. Je n'avais parlé dans ma dernière vidéo que le jeu était disponible jusqu'à une certaine date, gratuitement. Même après cette date, si vous l'avez pris avant la date, vous allez l'avoir gratuitement tout le temps. Peut-être c'est parce qu'il va en avoir un deuxième qui va sortir. C'est peut-être que ce que là, ils veulent attirer les joueurs. Mais si vous ne le prenez pas avant la date, eh bien, vous l'aurez pas gratuitement. Si on regarde, là, mon personnage est quand même bien. Je l'avais équipé la dernière fois pas mal. J'ai un gourdin aussi. Ça va servir à assommer un dinosaure pour pouvoir peut-être espérer. Là, j'avais, il me semblait que j'avais un feu ici. Là, on dirait qu'il n'y a plus de feu. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, on regarde ça. Il faut se faire un feu. Ça, c'est vraiment important. On peut regarder la carte, peut-être qu'on verrait quelque chose. Là, il y a un problème avec. C'est peut-être parce qu'il faut que je prenne un niveau. On va se mettre de la vie jusqu'à 200. Ça, c'est vraiment important au début. Et on va débloquer des choses qui pourraient être très utiles. Panneau de bois, ça sert pas. Lance-pierre, pas tout de suite. Une selle, ben là, on va attendre. Je vais m'occuper plus de ça pour faire un toit. Un bâtiment qui serait vraiment intéressant. Ok. On va pouvoir même se construire quelque chose si on veut. Le feu de camp, qu'est-ce que ça prend le feu de camp pour. On va regarder tout de suite ça parce que c'est important. Si on n'a pas de feu de camp, on risque d'avoir des problèmes. On va dans les schémas ici. Feu de camp. Il nous faut de la pierre. Encore. Il manque de la pierre. On va essayer de trouver de la pierre. Et voilà, en voilà deux. Et voilà, je pense qu'on a assez de pierre. On va essayer de s'installer quand même près ici. Caché entre les rochers. Ça serait bien, non? Que personne nous verrait et tout ça. On va le mettre ici le feu. On va le mettre plutôt ici. On va se faire un feu tout de suite en partant. Peut-être construire quelque chose, mais je sais pas encore vraiment qu'est-ce que je vais me construire pour le moment. Mais on va voir ça plus tard. En ce moment, on va appuyer sur I. On va se construire un feu pour plus tard. Et voilà. Ensuite. Là, on a notre feu. Si je fais ça, est-ce qu'on est capable de voir la carte? Ah! Ok, c'est vrai. C'est parce que je n'étais pas en vue. J'étais en vue en 3. Ok, en deux dimensions. Ok, en tout cas, j'étais pas en vue normale. Moi, on voit pas grand chose sur la carte, autrement dit. Ok, on va mettre le feu plus tard. Là, je viens de voir si j'ai assez de bois. Parce que c'est vraiment important d'avoir assez de bois aussi. J'ai quand même 58 en bois, c'est très bien. 58 fois, ça va être parfait. Peut-être penser à se fabriquer quelque chose pour mettre sur la tête. Ça ferait bien ça.
Ensuite, pour les pieds aussi, une paire de chaussures. Et voilà. Ensuite, on va... Ah, ok, on va augmenter notre vie à 200. Une flèche de pierre, mais c'est quoi ce que une flèche de pierre, ça prend un arc. Capable de construire d'arc encore. Peut-être construire Okay, ça prend les murs en chaume et tout ça, donc on va se concentrer là-dessus. Ok, il va falloir fabriquer de quoi avant. On va attendre avant de faire quoi que ce soit. Donc, ok, en ce moment, tout va bien côté bouffe et tout ça, mais on va essayer de se trouver de la nourriture là. Pour, avant que la nuit arrive, je pense que c'est ça le plus important. Je crois que d'habitude, j'aime bien des fois les poissons, si on en voit. Oh, il y a des dodos ici, donc c'est parfait. On va... Donc on va utiliser notre hache. Donc de la viande, de la peau. Ah, oh, c'est des ok, c'est des excréments. Je me demande c'était quoi. Ok, on va... On n'a pas tout de suite besoin de faire cuire notre viande, mais il faut quand même regarder que parce que la viande, elle va pourrir. Donc, elle est consommable pour 9 minutes, ok? Donc, j'en ai 8 à 9 minutes, c'est bien. On va peut-être construire quelque chose ici. On va changer d'endroit, on va se mettre ici. Ouf, vous avez-tu vu ça? Wow! C'est énorme! Ça serait tellement le fun d'avoir ça comme bête pour nous aider. Ouh, il est énorme! On va se ramasser un peu de... Ça, c'est des baies et tout ça. Et est-ce qu'on s'essaye? Là, la nuit va tomber bientôt, donc je pense que non. On va plutôt se concentrer pour se mettre un feu. Peut-être manger avant la nuit, je sais pas. Là. On va voir. Elle est énorme. Ok, on va se mettre un feu. Je pense qu'on va se mettre un feu ici. Et notre cabane plus tard va être dans le coin ici, je crois. Je crois que ça va être le meilleur endroit, ça va être ici. Là. Donc... Ok, on va se mettre un feu ici. Entre les rochers là. Donc je vais faire tout de suite mon feu. Hein, on va s'installer les chaussures, les... On peut-tu faire d'autres choses comme vêtements? J'ai ça par exemple que je préfère aussi.
Donc on va faire ça. On va les laisser comme ça, j'ai pas envie de. Ok, inventaire, on doit avoir un feu. La viande est encore bonne pour 6 minutes, 7 minutes à peu près. Donc, en plus, c'est ombrageux. Hein. Ok, on va le mettre. On va le placer ici. Donc, pour le feu, là, il faut maintenir le A. Et ensuite, il faut accéder à l'inventaire du feu. Et là, on va mettre du bois. Ah, c'est pas ça, attendez. Plus ça, ok. Ensuite, on va mettre la viande et on va allumer le feu. C'est comme ça que en appuyant sur E, et voilà. Et si je regarde maintenant, accéder à l'inventaire du feu. Et là, la viande est en train de cuire. On va se mettre du bois parce que je veux qu'il reste. Regardez, on en a de la viande de cuire. Donc, on va pouvoir manger. Donc, on va manger un petit peu. Ça va faire du bien. Et on a des baies aussi qui pourraient servir pour les animaux. Là. Ok. On va se mettre nos bandages pour les poings. On va tout mettre la viande là, parce que je veux vraiment on a encore des points ici, on va débloquer des choses là. On va débloquer. Ok, pour ça, faut une gourde d'eau. Est-ce que je suis capable quand même, en tout cas, un lit ordinaire. La longue vue qui peut être pratique, mais je suis pas capable. Bon, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez de points. Je dois pas avoir assez de points. On va attendre. Il fait jour, je devrais peut-être l'éteindre. Je vais attendre que la viande soit toute cuite, qu'on ait mangé comme il faut. On va aller boire de l'eau un peu. On va peut-être essayer de s'occuper. On va attendre ici. Je vais essayer de. On va essayer quelque chose. Je sais pas si ça va fonctionner. On avait vu tantôt un dinosaure dans le coin. Un immense dinosaure. Je vais essayer de l'assommer. Pour pouvoir en faire un ami, si j'arrive à le retrouver. Ici, il y a un dodo.
crois qu'il est plus lourd. Lève-le, il est là. On est fatigué en plus. Oh! Ok, on est, comme vous pouvez voir, c'est pas facile. C'est un jeu de là, j'ai voulu. Je me suis rendu à un endroit où il y avait des fourmis. C'est ça qui est arrivé. Et là, il me fait réapparaître à un autre endroit. Donc, j'espère qu'on pourra récupérer notre stock. Je crois qu'on est. Je vois un animal en face, mais il n'est pas dangereux. Un qu'à voir, je sais c'est quoi, c'est un herbivore. Il me semble que je m'étais déplacé par là. On va essayer de récupérer notre stock là, ok? S'il y a des dodos. On arrive où les rochers, où est-ce qu'on était au début. Et. Ok, notre feu est ici. On va se réchauffer là. On va éteindre notre feu. On va prendre de la viande. Comme ça. On va manger. Ok. Donc là. Ok. C'est où les éclairs? Supposément que. Notre stock est par là. Là, c'est dommage parce que je vois rien. Ah! C'est pas ça. On doit avoir un autre là, qui est quelque part. Ah! Ici! On l'a!
Bon, ça fait exprès parce que là, on veut vraiment récupérer notre stock. Ça fonctionne pas. Donc, ok, j'ai compris. On va. Les Gumpy, des fois, peuvent attaquer. S'ils attaquent en groupe, ça peut être très dangereux. On va essayer d'aller dans l'eau. Ils viendront pas dans l'eau. En espérant qu'il n'y a pas de piranhas. C'est les pires choses qu'il peut pas avoir dans l'eau, c'est les piranhas. Il y a aussi les mégalodons, mais les mégalodons sont dans l'eau profonde d'habitude. On va les respirer. La nuit va tomber, il va être mieux d'aller où mon feu et essayer de ramasser des branchages et tout ça. Et attendre avant d'aller récupérer mon stock. Peut-être même fabriquer une arme avant d'y aller et récupérer tout mon stock plus tard. Donc là, on va aller se réchauffer au feu. Et juste là. Ici. Bon, ok. Peut-être le mieux, ça serait de aussi. D'aller chercher, peut-être fabriquer des. On va essayer de se fabriquer des. Il faut vraiment que je mange. Donc pour le moment, ça va être des baies pour aider à survivre. Surtout la nuit arrive, là. On va mieux. On va consommer des. Il y a le narcotique qu'il ne faut pas consommer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des problèmes. Ça, là, faut vous le donner pour endormir les animaux. Ok, on va survivre un peu comme ça, là. Et on va aller chercher, on va aller boire un peu.
On a encore assez de bois, oui, ça devrait être pas pire. Là, ça serait peut-être de me construire quelque chose, mais il faut du bois. Et de la pierre. Construire une arme, ça me prend du silex. Ça me prend des branchages et du silex. Ça me prend des branchages. Ok, on va se trouver des branchages. Ici, on en a. Ok. On a un niveau disponible, on va... Énergie, compétence, vitesse, attaque, nourriture, oxygène, énergie. Je vais regarder mes notes là, pour être certain qu'est-ce qu'il faudrait que je monte là. Peut-être l'attaque serait intéressant aussi, là. Mais la vie, il faudrait que je la monte à 500. C'est important. Donc, ouais, peut-être qu'on va monter encore la vie. On va utiliser la longue vue. On peut en fabriquer une. Ça, c'est bien. Marmite suspendue. L'arc est là. J'ai plus de points, mais l'arc, on va aller chercher tout à l'heure, sûrement. Donc en ce moment, comme vous pouvez voir, là, c'est un jeu quand même de survie. Hein. Il faut survivre. Il y a quelque chose de vert là, ça doit être mon équipement ça. Je vais aller boire de l'eau. On va aller chercher. Fibres et tout ça là. Ok, on se fait attaquer encore par les fourmis. On va se diriger, on va se sauver là. Ils m'ont sont venus me chercher. Ça va me prendre une arme avant d'aller là. C'est ça que ça dit. Allez, niveau. Fait que je peux oublier mon équipement. Je pense qu'on va oublier l'équipement. On va s'en construire d'autres. Ça va être le mieux. Ça va être ça. Il faudra se diriger le plus vite possible au feu. Il y a de quoi en haut là-bas, là. Je sais pas c'est quoi. Ok. Il y a des animaux qui nous pourchassent. Glaçon.
question, c'est, je pense que je suis en train de me tromper. J'essaie de retrouver le feu, mais... Je pense que non, on est correct. C'est par là où faut que j'aille. Silex. On dirait qu'on est malade. J'arrive plus à trouver les pierres. Je crois que je suis vraiment trop loin là. Pas de verre là, ça à mon avis c'est... Ah oui, il y a des dinosaures qui peuvent nous voler. Hein. Ouf, il y a un mégalodon, je sais pas si vous l'avez vu, là. On va sortir de l'eau. Je pensais pouvoir traverser, mais on pourra pas.
J'aurais dû rester où le feu, ça aurait été mieux. Là, j'ai juste à me trouver des pierres et du silex pour pouvoir en faire un feu, parce que là, le soleil apparaît, mais je suis pas trop bien. J'ai faim, ça c'est une question aussi, c'est vrai. Bon, on va essayer de trouver des baies. Il y a un dinosaure dangereux de ce côté-là. Donc, est-ce que je peux me construire une arme au moins? Il manque du silex. Ok, pour trouver le silex, je vais avoir besoin. Le mieux, c'est d'avoir une... Ça. Je vais m'en construire une. Et je vais pouvoir frapper. Pour fabriquer de quoi le mieux là. Donc pour trouver du silex ça prend du comme ça. Donc là on serait supposé 16 pierres silex, donc on l'a. On se construira un feu. Une arme. Une hache. Excuse-moi, il faut quasiment recommencer. Là. C'est ça qui est choquant. Là. On va garder le dinosaure là. Donc. On va essayer d'aller le. J'ai besoin de nourriture, ça c'est certain. Donc, on va mettre. On va mettre le feu ici. Du bois en est. Donc, on en met. On va allumer le feu. Pour se réchauffer. Donc, ok, on a récupéré, on s'est fabriqué un, ça et ça, donc on va se fabriquer maintenant. Donc il nous faut des fibres. On va aller boire de l'eau.
chercher des billes là, en attendant. On a besoin de viande, c'est certain. Si on peut pas se fabriquer des vêtements, oui, on peut. Non, pas ça. Trop tard. pour les fibres. C'est bizarre, je me suis retrouvé de l'autre côté là-bas, sans le vouloir. Donc là, ça me prend de la peau pour ça, et ça aussi. Donc là, ça me prend s'habiller là, parce que ça va être mieux. Là, ça me prend de la peau. Pour là, il me faudrait une hache. J'en ai-tu une? Ah oui, j'en ai une. Ok. Donc, on va aller boire. On va éteindre le feu. Je pense qu'on est pas mal. Là, c'est de la viande qu'il nous faut. Donc, on va aller chasser. Il doit bien avoir des dodos quelque part. Là. Bon, on va pouvoir enfin se nourrir. Donc c'est pas mal ça, là, le jeu. Je sais pas si... faut vraiment survivre. On peut se fabriquer toutes sortes de choses. On peut vraiment fabriquer... Là, ce que je vous conseille, c'est de vous fabriquer genre 4-5 lances. Pourquoi? Parce que quand vous allez en tirer une, ben vous allez tout le temps en avoir une avec vous après. Donc... Et voilà, on est correct. Bon, c'était compliqué, ardu, mais on a réussi. Est-ce qu'on peut... On peut pas déménager le feu, c'est ça qui est dommage. Il faut le détruire et en fabriquer un autre. C'est dommage parce que j'aurais bien été ailleurs pour le moment.
Mais ça va être pas mal. On va aller quand même voir les points. On va monter encore la vie. Je pense que c'est vraiment important la vie, là. On va aller pour l'arc. Ça ferait peut-être bien d'avoir un arc. Mais il faut être. Ok, je passe peut-être pas encore assez haut. Ou j'ai pas assez de points. On va attendre. Bon ben c'est sûr là-dessus qu'on va arrêter la vidéo. Il y a un Dilophosaure qui est apparu. Donc on va peut-être pouvoir aller récupérer nos vêtements cette fois-ci. Sauf que j'ai marché longtemps. Donc je suis vraiment très loin, je pense, de. On va quand même essayer, mais à mon avis, on se rendra pas. Une drôle de pierre. Ah non, c'est pas de la. Ok, c'est des excréments. Du gros dinosaure. Donc. Et là, c'est bizarre. On se retrouve où ce que j'étais censé être la dernière fois. Que j'avais pas arrivé à trouver. Peut-être qu'on va retrouver notre premier feu. Qui est là-bas. Donc, je viens de retrouver l'endroit où ce que je m'étais installé au début. Donc, c'est parfait comme ça. Mais là, sauf que j'ai rien pour. J'ai pas récupéré mon. Ah! Ils vont encore me tuer. Ok. Ils m'attendent là, je sais pas pourquoi. Ok. Donc si je réapparais. J'ai des choses vertes là. C'est à cause que je dois avoir. Je dois être mort là plusieurs fois. Ça, c'est des choses à moi. Ah, regardez, les insectes sont là. Merde. Il y a un gros mégalodon là-bas. Difficile aussi, je dois avouer, c'est que vous allez devoir tout le temps survivre et souvent c'est très difficile de survivre longtemps du point de vue que avec tout ce qu'il y a comme dinosaure. Vous avez vu tantôt, il y a un dilophosaure qui m'attendait. Donc on va essayer de, donc en tout cas, vous avez vu un peu c'est quoi le but aussi, comment fabriquer les objets et tout ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je pense que la vidéo est quand même assez longue. Je me fais poursuivre par quelque chose. On va le laisser partir. Ok.
Ok, donc c'est ça, c'est un jeu de survie vraiment intéressant parce que là il est totalement gratuit, faut en profiter. Donc, et en plus, moi je vais tout le temps l'avoir. Regardez qu'est-ce qui s'en vient, il y en a un qui va encore me tuer, non? Ok. Il y a beaucoup de dinosaures dans ce coin-ci, puis c'est sûr qu'au bord de l'eau, vous allez en avoir beaucoup. Peut-être aller tout le temps dans la forêt, peut-être que ça va être mieux. On va ramasser en montant. Souvent, sur le bord de l'eau, les animaux sont là. Pourquoi? Parce que ils vont s'abreuver. Et souvent, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est trouver une grotte. Tu sais, ça serait vraiment bien aussi. J'aimerais beaucoup ça. Regardez, on pourrait se faire un beau feu ici, pareil. Là, j'entends un gros dinosaure. Oh, vous avez vu ce qu'il y a en bas? Il est coincé là. Est-ce que je serais capable de le tuer? Ouf! Bon, ok, ça va terminer ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié un peu, voir un peu comment ça marche, puis tout ça. C'est sûr que c'est un jeu de survie, hein. C'est compliqué, difficile. Vous pouvez essayer toutes sortes de choses pour voir si ça. Là, c'était un stégosaure, j'avais aucune chance. Surtout avec rien, avec aucune arme. Donc, je vais vous dire à plus et faites attention à vous, hein. Salut!